future, no intention, no past, no identity. Je suis cool et bon vivant, je suis un grand fan de rock. J'ai commencé avec mon père par tous les classiques de Woodstock. Je kiffe la life, je profite, je traîne avec mes potes, un peu rebelle à mes heures, je m'éclate en répète. Sans trop y croire, je poursuis tranquille mes études d'histoire, histoire de voir, mais en vrai je crois bien que j'ai d'autres espoirs. Devenir Texon et pourquoi pas un jour, mon heure de gloire, allez j'y penserai plus tard, bien pur. Ce soir, moi je suis discret et gentil, petit, j'ai toujours aimé le sport. En vrai ou sur ma console, j'adorais faire péter les scores. J'ai grandi sans prise de tête, en me fondant dans le décor. Je peux pas parler de galère, pas non plus parler de bonheur. Timide, un peu suiveur, c'est sans m'en rendre vraiment compte que je deviens l'un des leurs. Tendant l'oreille un jour vers un genre de prédicateur, convaincant et provocateur. Ce soir j'ai une mission claire qui, dit-il, me rendra meilleur. C'était vendredi 13, un match à la télé suivi d'une soirée pour savoir. Un scénario des tests, pas le temps téléphone, on appelle jusque tard le soir. Des rafales dans la ville, y'a des potes, la famille, tout d'un coup ça nous touche, nous inquiète. La fragilité nous arrive, le confort et la sécurité nous quittent. Les armes marchent au son de la rue. Mais la peur nous sauvera pas face à la haine, donnons de la paix. Pour écarter les rapaces et que les fachos ferment leur clapet. Arrêtons juste un peu de flipper, ça n'a jamais stoppé le danger. Arrêtons juste un peu de fliquer, ça n'a jamais rien arrangé. Les explications simplistes stigmatisent, ne viennent que blesser. Comment devient-on terroriste avant de tomber? Qu'est-ce qui fait glisser la violence? N'apparaît pas juste en écoutant des prières. Et le progrès ne se construit jamais sur des rejets des barrières. La singularité n'est jamais dangereuse. Les leaders d'opinion sont des crapauds belliqueux. Ils bavent leurs ordres mais ne prennent jamais les armes. Ils poussent au chaos sans tirer une larme. Quand les politiques insultent, diffusent autant de malsains messages. Quand l'exilé atteint son but et que la police lui dit dégage. Quand les enfants et les adultes matent de travers une beubare. Quand les médias exultent dès qu'un mec crie Allahu Akbar. À chaque attaque la machine part, on sort toujours mauvais spectacle. On s'enferme dans nos faux remparts, les arguments deviennent des tacles. On se dit pourquoi pas moi, j'avais déjà mis les pieds dans ce bar. Pourtant ces actes font moins de morts que la plus rare des maladies rares. On parle d'une poignée suicidaire contre des milliers de militaires. Comme un autre nation millénaire pourrait se penser si vite à terre. On peut dire ça tout en étant si triste pour ces morts inutiles. On a aussi craint ces moments, jamais trouvé tout ça futile. Mais la peur nous sauvera pas face à la haine, donnons de la paix. Pour écarter les rapaces et que les fachos ferment leur clapet. Arrêtons juste un peu de flipper, ça n'a jamais stoppé le danger. Arrêtons juste un peu de fliquer, ça n'a jamais rien arrangé. Résonne à sens unique quand on dénonce le communautaire. Les élites vont vers les élites et ça n'alimente pas les commentaires. À London, tous les Français vont boire des coups dans le même troquet. Quand à Paris, les Soudanais se rassemblent, ils se font matraquer. Nombreux sont ceux qui versent l'essence dans des briques qui prônent la vengeance. Cercle vicieux, c'est double sens, pas d'issue sans intelligence. Je mettrai bien des tas de droites à ceux qui tapent sur l'état de droit. Je sors un pétard du fond de ma boîte, mais t'inquiète, j'ai que des claques doigts. Le raccourci facile et l'amalgame comme leitmotiv. Les leaders d'opinion pullulent et trouvent des tribunes. Dans la misère, ils exploitent les forces vives. Au lieu de leur promettre la haine, présente-leur la lune car elle est belle. Elle est universelle. Pour ceux dans l'obscurité, elle est un beau repère. Elle donne envie de surpasser l'intemporel. Son bleu espace fait planer dans la stratosphère. La peur nous sauvera pas face à la haine, donnons de la paix. Pour écarter les rapaces et que les fachos ferment leur clapet. Arrêtons juste un peu de flipper, ça n'a jamais stoppé le danger. Arrêtons juste un peu de fliquer, ça n'a jamais rien arrangé. J'entends des discours, j'entends cette malsaine résurgence de mots rageants, de bruit qui court et d'un obscène état d'urgence. Les questions sont mal posées, comment tu veux des bonnes réponses? Au fond c'est quoi le projet? On se regarde tous et on se dénonce. Qui bascule quand? Qui bouscule quoi? Comment se radicalise-t-on? Comment et pourquoi? Quel parcours, quelles rencontres peuvent amener à de tels choix? Comment se construit la folie qui va ouvrir une telle voie? Pour chacun à sa manière, la vie pèse son poids. Chacun reclus dans la tanière de son cerveau je crois. Rien ne justifie la haine, la mort de l'autre ou de soi, mais bien malin qui saura m'en expliquer le pourquoi. Bienvenue mon fils dans la machine.
machine dans ce monde. Nous ne sommes pas tous des frères, bonnes ou mauvaises ondes. Il y aura ton bonheur et puis il y aura les autres. Poésie ou malheur, les mauvais ne sont pas des nôtres. Mon fils, ta frustration, ta révolte, exprime-les à ton père. Mais n'ouvre pas ton cœur au courroux avide de colère. Selon eux, c'est l'autre la source de tout ton malheur. Leur contre moi, mon fils, n'aie pas peur. La peur nous sauvera pas face à la haine, donnons de la paix. Pour écarter les rapaces et que les fachos ferment leur clapet. Arrêtons juste un peu de flipper, ça n'a jamais stoppé le danger.